Ok. Bon, bonjour à tous. On a démarré ce matin sur la présentation de comment dompter un legacy. On va parler du coup smoke testing, golden master et migration progressive. C'est une conf sous le signe de Safety, étant donné que je suis lead dev chez Safety. Vous avez vu toute l'équipe juste avant, donc on est en forme et de bonne humeur pour commencer ce matin. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu à travailler sur un legacy. C'est assez rare d'avoir des projets où on arrive et on démarre from scratch. Donc, on a toujours un petit peu du code à rattraper, du code qu'on ne maîtrise plus. Et c'est une problématique qui revient assez souvent. Donc, on va en parler tous ensemble ce matin. Je vais me lancer mon timer que j'ai oublié de mettre, évidemment, pour pas trop dépasser sur l'horaire. Allons-y. Si la télécommande veut bien me changer mon slide. Elle n'a pas envie. Non. Clique dessus. Super. Allez. Je vous présente très, très rapidement le contexte Safety. Yann vous en a parlé juste avant. Donc, c'est vraiment une entreprise en pleine croissance, en réseau de mandataires, dans l'immobilier. Nous, ce qui va nous intéresser pour ce matin, ça va être la partie PHP. C'est quand même un projet qui a débuté dès le départ en PHP. Donc, c'était notre choix de techno par excellence. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup de législations dans l'immobilier. Donc, ça fait que ça donne un métier assez dense et il faut faire cohabiter la technique avec vraiment toutes les règles métiers, et c'est ça un petit peu qui fait le piment de notre quotidien. Et en plus de ça, on a rajouté une vraie couche d'internationalisation. Ça va être le mot le plus dur à dire de toute cette conf. Mais on va s'étendre en Europe. Et ça, ça veut dire qu'on va essayer de garder la même code base technique pour se faciliter le travail. Nous, notre équipe, elle est basée à Toulouse, donc notre siège est toulousain. Tous nos développeurs sont à Toulouse. Et pourtant, on va devoir exporter Safety partout en Europe. Donc, pour garder la même base technique, mais s'adapter à chaque législation, c'est quand même un beau défi technique. Si vous avez eu à le faire, vous savez de quoi je parle. Alors, un legacy, qu'est-ce que c'est ? Un legacy, c'est une application non testée unitairement et fonctionnellement. C'est vraiment un code dont on a perdu le sens métier, les règles métiers. C'est le code dont on ne sait plus si jamais je touche quelque chose à droite, je vais avoir le pire qui puisse m'arriver, c'est l'effet de bord. L'effet de bord, je ne maîtrise plus mon code, j'ai de multiples pratiques de code et de normes de code. Tous les développeurs qui sont passés là avant moi, ils ont rajouté un petit peu leur petite touche personnelle, peine de bonnes intentions, il n'y a pas du tout de jugement là-dedans, mais chacun a dû rajouter un petit peu dans son code, faire sa feature, on a un peu oublié les tests, on en a écrit, mais en fait, ils sont plus bons, donc on a fini par les commenter, au pire, les effacer, et du coup, ça me rend la maintenance très complexe. Et à partir du moment où j'ai une maintenance complexe, où à chaque nouvelle feature, ça va me demander plus d'efforts de la mettre en œuvre, je vais essayer de trouver des raccourcis. Parce que je ne peux pas annoncer que pour rajouter une colonne dans un tableau, il me faut 6 jours. Quoi. C'est impensable. Tout le monde va me dire, attends, quand même, Estelle, 6 jours pour une colonne dans un tableau, t'abuses. Donc non, je vais avoir vraiment une maintenance complexe et en plus pas la maîtrise de mon code. Je vais faire un petit disclaimer sur cette partie. Je ne me permettrai jamais de juger durement un legacy. Un legacy, c'est un code qui a lancé des boîtes. Ça peut partir d'un POC, ça peut partir d'une envie d'avoir un time to market qui est très court. Du coup, c'est jamais du mauvais code. Le legacy, on va jamais se dire, c'est du code de merde, il y a tout à foutre à la poubelle. Ça, je ne me permettrai jamais de le dire. Le legacy, c'est du code qui a lancé ma boîte. Et à un moment, ma boîte, elle fait ce qu'on appelle une conversion un peu plus vers de la professionnalisation. Et c'est là qu'on se rend compte que mon temps de maintenance, il est plus fort que mon temps pour développer des nouvelles features. Et là, je commence à avoir un problème. Donc, il n'y a aucun jugement sur les développeurs qui l'ont développé. Il n'y a aucun jugement sur le code. Mais ça, c'est des choses qui arrivent à toutes les entreprises. On a eu un changement des besoins. On a eu un manque d'expérience au départ. C'est normal. Mon produit, mes features, elles vont mûrir, elles vont évoluer. Et ça, c'est tout à fait normal que je me retrouve avec une partie de legacy. Par contre, ce qui est absolument anormal, c'est de ne pas tester mon code. Personne ne va lancer
du code non testé. Vous allez forcément le tester. Quand vous écrivez une nouvelle feature, quand on vous demande d'implémenter une nouvelle feature, vous allez la tester. Que ce soit en allant cliquer, en ouvrant la page de votre site, en regardant que ça fait bien ce que ça doit faire dans les specs qu'on vous a définis. Du coup, ça prend pas plus de temps d'écrire un test automatisé. Et ça, ça fait partie de votre travail en tant que développeur que d'écrire des tests automatisés. Ça prend pas plus de temps, c'est pas vrai. Gens qui vous disent, on skip les tests parce qu'on n'a pas le temps de le faire, c'est faux. On ne skip jamais les tests. Puisque de toute façon, quelqu'un va les faire au moins manuellement. Donc vous, vous devez vous habituer à lancer des tests unitairement et automatiquement à chaque fois que vous écrivez une nouvelle feature. Ça, c'est la bonne pratique et c'est travailler de manière professionnelle. Désolée si ça choquera certains, mais à l'heure actuelle, on ne peut plus se permettre de dire je vais créer une grosse application sans jamais écrire de test. Ça arrive et on va devoir se débrouiller avec. Et du coup, chez nous, on a fait tout ce chemin. Je vais vous parler du coup, de la spécificité du Legacy Omega. Donc, comme je vous le disais, chez Safety, on a démarré directement en PHP. Donc, c'était des débuts en PHP 4. On a un Legacy qui fait environ 1 million de lignes. Donc, c'est énormément de code. On a suivi une première évolution vers de la PO en PHP 5.6. Donc, on a converti tout ce PHP 4 très procédural directement en PHP 5.6 avec un framework MVC. C'est un framework qui s'est composé au fur et à mesure de nos besoins. Donc, c'est ce qu'on appelle un framework maison. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont hurler à cette évocation de framework maison. Généralement, en entretien, quand on vous dit framework maison, vous dites « Ah, au revoir, merci !» Mais là, c'est un framework qui est quand même assez light. C'est un framework MVC, donc qui a les bases du MVC. Au final, on voit que dans toutes les applications qui prennent de l'ampleur, on a des évolutions qui sont assez communes. Les idées sont assez communes. C'est vraiment un framework maison. Je vois une question en direct. C'est pas une surcouche d'un framework du marché. C'est vraiment un framework maison qui a évolué au fur et à mesure qu'on a créé des classes utilitaires et qu'on s'en est servi partout. C'est comme ça que ça naît généralement. Sur ce framework, nous, on a fait une mise à niveau vers du PHP 7.4. On arrive à la modernité. Je vous dis pas le gap en termes de performance qu'on a fait entre la 5.6 et la 7.4, nos serveurs, ils ont été « Waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien à faire aujourd'hui, c'est cool, c'est le début des vacances. » Et du coup, là, notre dernière évolution, et je parle bien d'évolution toujours, c'est de passer sur un framework plus professionnel, disons, un framework au moins que la communauté PHP connaît bien, c'est Symfony. Donc, nous, on a fait le choix d'entamer une migration. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Là, on va se concentrer vraiment sur le Legacy. Je vous ai mis une petite capture d'écran, du coup, de notre SonarQube, qui nous a donc, la première fois qu'on l'a lancé, voilà, sur un code Legacy, on l'a lancé et on a vu, oh là là, oh là là, oh là là. Comment ça, 840 jours de dette technique? Vraiment, 840 jours de dette technique, ça me paraît un peu beaucoup quand même pour un code qui fonctionne. Là, à l'heure actuelle, notre code, il est en production. On a plus de 5500 conseillers qui l'utilisent tous les jours. On a 200 personnes du siège qui l'utilisent. Ça m'étonnerait qu'on ait 2,5K bug et 849 jours de dette technique. Et ben, au final, quand vous n'écrivez pas de test, vous avez 849 jours de dette technique. Parce que à chaque nouvelle évolution ou à chaque nouvelle feature, vous ne pouvez pas dire « je n'ai rien cassé ». Vous n'en savez rien. Vous n'avez pas de test. Vous partez à l'aveugle. Ou ah bah allez, j'ai écrit mon code. Donc, c'est vrai. Oui, il y a 16% de duplication. C'est pas mal. En effet, je vois quelqu'un là. Voilà. C'est bon, on est revenu. Parfait. Alors, j'en étais… Ah oui, je disais 14% de… Non, 16%. Là-dedans, je n'ai pas pris que le PHP. Je vous ai fait une petite capture où j'ai pris que le PHP après, parce que là, je ne vous ai pas pris que le PHP, j'ai pris tout l'overall d'Omega, sachant qu'on a eu une particularité à un moment, c'est qu'on a fait nos versions de vendor. Donc, les vendors étaient comités, parce qu'on ne voulait absolument pas avoir monté de version de vendor, étant donné qu'on ne maîtrisait pas notre legacy, encore une fois. Donc, il fallait absolument pas qu'on ait de montée de version de vendeur. Donc, on les a jugés, ils sont comités. C'est aussi pour ça que le projet paraît énorme. Vous allez voir une capture d'écran du après
Ça un peu mieux. Je vais lancer mon timer et je vais avancer puisqu'on a un peu de temps avec tout ça. Allons-y. Et on va parler du premier outil de base pour redompter ce legacy, le MCD, donc le modèle conceptuel de données. Le modèle conceptuel de données, c'est un petit exercice qui peut prendre très long si votre application est très, très, très grosse, un peu comme chez nous, qui va vous permettre de se remettre en tête toutes les fonctionnalités de l'application. C'est un peu ce que vous aviez l'habitude de faire, peut-être à l'école ou peut-être dans vos entreprises, pour dire, eh ben, mon application, elle a tant de briques, et toutes ces briques ont des dépendances. Je vais vous en montrer un. Alors, c'est le modèle simplifié d'Omega, parce que si, tant il ne tenait pas sur ma slide, donc je vous ai fait un petit modèle simplifié avec des belles couleurs. C'est pas le modèle complet. Le modèle complet fait plus de 200 briques, donc c'était impossible à comprendre. Mais là, on va voir que bah, j'ai sélectionné certains domaines de mon métier. Par exemple, un service pige, hein, c'est fait pour faire de la protection. C'est le petit carré qui est en vert, je n'ai pas trop moché ce pouvoir. Et dans ce domaine de pige, on a des rendez-vous, des calls, des rappels. Enfin, tout ça, c'est des interactions avec nos conseillers. Et on va le modéliser en disant quelles sont mes relations. C'est pareil, mes relations sont bonnes, j'ai simplifié, mais généralement, on fait ça un peu à la mode comment ça se passe dans ma BDD, quelles sont mes relations dans ma BDD, et je vais aller tracer entre mes domaines, entre mes briques métiers, chacune de relations entre elles. Alors là-dessus, sur un MCD, on voit qu'on va pouvoir un petit peu isoler les briques qui n'ont pas beaucoup de relations. Donc, on serait tenté de se dire, je vais commencer par retravailler les briques qui n'ont pas beaucoup de dépendances, parce que ça ne me coûtera pas très cher. Ça limite la complexité que de se dire, bah, ma brique n'a pas beaucoup de dépendances, du coup, je vais commencer par celle-là. C'est un raccourci qui peut être parfois bon à prendre, mais il faut quand même s'en méfier, puisque les choses avec le moins de dépendances, ça peut être aussi des choses les moins utilisées ou des choses qui ne font pas partie du cœur de votre métier. Typiquement, chez nous, on propose un store à nos conseillers. Ce n'est pas notre cœur de métier que de vendre des flyers, des cartes de visite. En fait, Safety, on a un vrai métier immobilier à faire et c'est celui-là qui rend service à nos conseillers. Du coup, notre brique store, à l'heure actuelle, elle est dans notre énorme monolithe, mais elle pourrait tout à fait en sortir. Elle pourrait tout à fait déléguer à une solution professionnelle pour faire de la vente voilà, de cartes de visite, de flyers. Et du coup, sur mon MCD, bah, ça va être une brique assez isolée. Tu es en train de me dire, ah ben, on refait tout le store, on passe en symphonie, c'est super. Et pourtant, ça ne va pas être une très grande valeur ajoutée pour mon application, étant donné que ça va cibler directement ce qui va rendre le plus service à mes conseillers. Donc, le MCD, ça prend du temps à faire. Ça nous aide à se refamiliariser et à essayer voilà, de se dire, bah, si je devais faire un découpage, si dans le futur, je devais sortir certaines briques, qu'est-ce que je pourrais sortir? Qu'est-ce que je dois absolument garder? Quelles sont mes dépendances très fortes? Par exemple, chez nous, la plus grosse dépendance, bah, c'est sur le conseiller immobilier, c'est lui qui est vraiment au cœur de notre application. On sait qu'on ne va pas pouvoir attaquer directement la fiche conseiller ou la fiche bien. C'est vraiment des choses qui ont trop de dépendances et qu'on va devoir un petit peu détricoter pour arriver jusqu'au cœur et de reprendre vraiment la maîtrise de notre legacy. Deuxième outil dont on est servi chez Safety, c'est les chemins critiques. On a été voir nos PO, les producteurs, ceux qui connaissent le mieux le métier. Chez nous, on fonctionne en Agile Scrum, je pense que Yann vous l'a évoqué, mais je le redis ici. Et on a été voir nos PO, on leur a dit, bah, écoutez, le legacy, il est trop gros. Nous, on ne sait pas, on ne comprend pas quelles sont les features essentielles, celles qui nous rapportent le plus d'argent, celles qui rendent le plus de services. Il faut que vous, avec votre vision métier de l'application, vous nous aidiez à identifier les features les plus importantes pour qu'on les sécurise tout de suite. Bien vivre avec son legacy, ça veut dire je sécurise mon application. Je sécurise pour qu'on n'ait pas de régression ou pour qu'on n'ait plus d'effet de bord. La régression, c'est le pire. Les utilisateurs, ils ne veulent pas voir que hier, ça fonctionnait et demain, ça ne fonctionne plus. C'est le pire qu'on puisse imaginer. Du coup, on va leur dire, bah, dites-moi quelles sont les features clés, quel est le chemin vraiment critique de l'application. Et ça, on va les sécuriser tout de suite. Chez nous, on a utilisé Cypress. Cypress, c'est un outil qui parle beaucoup aux développeurs back. Sur nos 27 développeurs, on est en majorité des développeurs back, moi la première. Du coup,
On a utilisé Cypress pour reproduire le chemin end-to-end. C'est hyper plug and play, c'est hyper facile à comprendre. On a une petite extension dans Chrome, je crois, encore dans Firefox, mais bon, ça, c'est chacun ses goûts. Et du coup, on a fait les chemins critiques, on les a figés pour être sûr de dire, bah, au moins ceux-là, ils sont identifiés et on a pu les sécuriser. À chaque fois que je vais développer une nouvelle feature, à chaque fois que je vais faire une évolution, je vais faire passer mes chemins critiques. C'est quand même coûteux à lancer, hein. Après, c'est tout ce qui est virtualisation de browser, c'est quand même très coûteux à lancer, mais par contre, on va les lancer une fois de temps en temps et on va être sûr qu'on n'a rien cassé, que nos utilisateurs vont garder vraiment les features les plus importantes pour eux. Ce n'est pas forcément les features les plus compliquées. C'est les features qui comptent. C'est les features vraiment qu'on ne peut pas se permettre de casser. Donc, on va faire ce travail vraiment sur les chemins critiques. Pour aller un petit peu plus dans la technique, moi, ce que j'ai réalisé, c'est un graphique de fréquence de changement qu'on appelle un churn. Alors, c'est un terme qui est plutôt utilisé dans le marketing, mais c'est vrai que maintenant, on commence aussi à l'utiliser dans la technique pour parler justement de fréquence de changement. Je vous ai mis ma petite commande Git que j'utilise. C'est une commande hyper simple qui dit à Git, donne-moi les 50 fichiers les plus modifiés depuis l'année, 12 mois. Et on va regarder la version un peu technique des chemins critiques de mon application. Les fichiers que j'ai souvent à toucher, bah, c'est là où on va me demander le plus souvent des évolutions. Alors, un fichier technique avec une énorme complexité cyclomatique, mais qui n'est pas touché très souvent, ça va, je suis tranquille, c'est pas très grave. Alors oui, la complexité, oui, il va falloir qu'on l'améliore, mais je suis quand même plutôt tranquille. Après, un fichier qui n'a pas beaucoup de complexité cyclomatique et qu'on touche pas très souvent ou qu'on touche souvent, bah, c'est pas très grave non plus, il n'y a pas trop de complexité, donc quand je le touche, je risque pas grand-chose. Par contre, un fichier qui a énormément de complexité cyclomatique et qu'en plus, on touche souvent, là, je dois me dire, attendez, ce code-là, il est critique. On le fait tout le temps évoluer, la maintenance nous coûte cher et en plus, on n'y comprend rien. Et il faut arrêter ce code-là, c'est le code que je dois fermer à évoluer. Donc, on regroupe ce qu'on fait précédemment, notre travail avec les PO plus le churn, et on dit, bah, où est-ce que ça match? Là où ça match, c'est le code qui est critique et qui doit absolument évoluer. À côté de ça, on se référence au MCD. On dit, alors, où est-ce que j'en suis dans mon MCD? Quelle est ma feature? Quelles sont ses dépendances? On commence à imaginer un plan de bataille. Vraiment, on commence à imaginer quelles sont les parties du legacy que je vais devoir assainir, sécuriser. Je vous ai remis un exemple, du coup, de churn sur mon Omeka. Ce que vous avez vu juste avant, c'était SonarQube. Là, j'ai utilisé un autre outil qui s'appelle PHPLock. Je pense que vous en connaissez des tas, des outils d'analyse de complexité cyclomatique. On voit que chez nous, la complexité cyclomatique est assez haute. On a des fichiers en fait, qui sont des très gros fichiers de 2000 lignes, 3000 lignes, je suis sûre que vous avez ça chez vous aussi. Quand c'était des fichiers hérités du PHP 4, bah, ça va à peu près pour les comprendre. Quand on est parti un petit peu dans du MVC dans tous les sens, bah là, c'est plus dur à comprendre. Et là, comme c'est que du PHP, vous pouvez voir qu'on avait 1 million de lignes de code en PHP. On en a quand même beaucoup moins. Et ça, en plus, c'est après avoir sorti tout le vendor qui était, comme je le disais, Git. Là, c'est vrai qu'on a sorti tout ça. Donc, on a commencé vraiment à faire ce travail d'assainissement. Et là, on regarde voilà, les classes avec les plus fortes complexités cyclomatiques pour commencer à les découper. Puisque, comme je le rappelle, aucune complexité ne résiste à un bon test unitaire. On va en parler juste après. Ensuite, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est du smoke testing. Le smoke testing, bah, comme son nom l'indique, c'est de regarder un peu partout sur mon application et voir où ça fume. Là où ça fume, c'est qu'il y a un feu. Et du coup, c'est la première barrière qui va me donner un no-go. Si dans mes smoke testing, le smoke testing, le principe, c'est ultra simple, c'est-à-dire que je vais essayer de tester le maximum d'URL de mon site. On a utilisé un crawler. On a pris un crawler, on a passé toutes les URL en get et on a regardé ce que ça répondait. Normalement, ça doit vous répondre 200 partout.
Je parle pas des postes parce que les postes, c'est un peu plus compliqué. Là, je me concentrais vraiment sur les guettes. Mais ne serait-ce que lancer un crawler en guette sur toute son application et que tout son site, il est en 200, on peut se dire, bah, c'est bon, je peux lancer en production. Alors, peut-être que mes features, elles font pas exactement ce qu'elles devraient faire. Ça, je vais avoir des remontées par les utilisateurs classiques. Ça va être dans un second temps. Mais au moins, j'en vois pas que 500 en prod. 500 en prod, c'est quand même très, très pénalisant. Donc, le smoke testing, ça va nous éviter les régressions, ça nous permet d'identifier les effets de bord. Quand je crée une feature et que d'un coup, j'ai un logo parce qu'à l'autre côté de mon application, il y a une 500 de mon crawler qui est remontée, je me dis, ah, ce que j'ai touché, il y a quand même un lien entre les deux. Donc, je vais pouvoir me dire, ah ben attention, ici, j'ai une dépendance forte, je mets à jour mon CD, je me remets avec mon PO pour dire, non, mais quand même, c'est bizarre que quand je lance une page du store, il y a quelque chose qui casse à la facturation. Ça me semble un peu bizarre parce que la facturation du pack de mon conseiller, elle n'a rien à voir avec mon achat de flyer. Donc, on a dû faire une classe qui regroupe deux notions qui ne devraient pas être regroupées. Du coup, dans mon MCD, je vais les séparer en disant, bah, mon MCD va évoluer vers le MCD que j'aimerais voir. Le but, voilà, c'est d'avoir toutes les URL de mon site en 200 et de pouvoir avoir une maîtrise rapide et des tests rapides de mon application. Smoke testing, c'est vraiment des tests rapides. C'est avant de dire, on va lancer tous les tests unitaires, tous les tests fonctionnels, on va mettre les PO sur la branche de démo. Non, on passe juste le testing. Si jamais on a une 500, c'est qu'il faut revoir la copie. Ça permet de maîtriser beaucoup plus vite, pas lancer l'artillerie lourde quand on n'en a pas besoin. On voit assez vite les limitations du testing. C'est que chez nous, on a testé que les routes en guette. Donc, OK, c'est bien, mais pas suffisant. On n'a probablement pas réussi à répertorier toutes les routes de notre application. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et les routes les moins utilisées, bah, parfois, on ne sait même plus qu'elles existent. Et si quelque chose casse, on sait où, mais on ne sait pas pourquoi. Donc là, on a besoin que les développeurs reviennent dedans pour comprendre un peu le pourquoi. Le bon côté, c'est que c'est rapide à mettre en place et à lancer. Faire un crawler qui vérifie les guettes, ça va. Ça permet de stopper rapidement les processus de pré-livraison. On n'est pas prêt, on donne un logo assez rapide, on réduit le risque de l'introduction de nouvelles features, de casser quelque chose, et on identifie les dépendances de code. Le smoke testing, ça fait partie des outils que vous allez garder même dans le processus de vie de vos applications, même en dehors d'un legacy. Du coup, pour notre legacy, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? On a choisi de faire un Golden Master. Golden Master, qu'est-ce que c'est? C'est une version figée de son code. On va figer une version de son legacy dans un but de test. Vous allez me dire, attends, on ne veut pas figer nous, parce qu'on a besoin de nouvelles features tous les jours. Alors oui, vous avez besoin de nouvelles features tous les jours. C'est pour ça qu'on va parler de migration progressive. C'est dans le titre, donc ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Le Golden Master, c'est vraiment l'outil quand je vais faire du refactoring. Quand je vais faire du refactoring, je ne vais pas vouloir mélanger avec une évolution. Parce que ce que je dois avoir en entrée doit être la même chose que je vais avoir en sortie. C'est ça que j'entends figer. On va figer une toute petite partie de son code. On va dire, mon legacy va fonctionner en boîte noire. Je ne veux même pas aller lire le code qu'il y a dedans parce qu'il m'arrache les yeux à la javel. Donc, je vais figer une partie de ça. Je vais lui passer des données standardisées en entrée, je vais regarder ce que ça me sort, je vais écrire mon nouveau code en imaginant, ah bah c'est cool, je vais partir un peu de rien ce matin, ça va me faire un projet from scratch, je réécris totalement, et je vais lui passer la même entrée, je devrais avoir la même sortie. C'est pour ça que c'est hyper important de se dire, quand je fais une refacto, je ne fais que ça, je fais que une refacto. Mon entrée et ma sortie doivent être exactement la même, et comme ça, je suis sûre de ne pas introduire de régression ou de ne pas introduire de comportement non désiré. Si mon legacy me dit A, ça sort B, moi je dois mettre A, ça sort B. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, toujours rejouer l'entrée et la sortie après la refacto pour s'en assurer. Et par contre, l'effort que je vais mettre supplémentaire, évidemment, vous m'avez vu venir, c'est que ma refacto ISO de mon legacy, comme je recode quelque chose, je vais accompagner ça de tests unitaires. Eh oui, on va les mettre là. C'est parti. Donc, là, j'aurai une entrée et une sortie correspondante à ma boîte noire où je ne sais pas ce que fait mon code. Ce n'est pas grave. Mais moi, dans ma nouvelle feature, j'aurai les tests unitaires. Et les tests unitaires vont en plus me servir de documentation. Je vais avoir retrouvé mes règles métiers grâce à eux.
Et ça, bah, on est bien content. Hein. Donc, le Golden Master, c'est une réécriture isopérimètre et c'est une première étape de maîtrise vers de la migration. Oui, j'accélère. Alors, on va parler du coup des tests unitaires. J'enchaîne directement. C'est la brique technique du berceau de test. C'est les développeurs qui doivent les écrire. Chez nous, on est un bonheur à ce que chaque nouvelle feature ait au moins un test unitaire. Moi, j'en demande un. C'est le minimum de mon minimum. Mais bien sûr, vous pouvez en écrire beaucoup plus. C'est rapide à exécuter. C'est le découplage de responsabilité. Comme je le disais, si on ne peut pas écrire un test unitaire sur une fonction, c'est qu'on fait plusieurs choses. Le test unitaire, ça va vraiment être va vous confirmer que votre fonction, elle est en single responsabilité. Je ne vais pas vous parler de solide maintenant parce que je ne vais vraiment pas avoir le temps, mais c'est un principe qui est incroyable et il faut absolument que vous vous documentiez dessus si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, là, les tests unitaires vont nous permettre de garantir. Et comme je le disais, ça va aussi nous servir de documentation. Et chaque nouvelle feature doit être testée unitairement. Alors là, j'ai un peu foiré ma transition, mais ce n'est pas grave. La question qui revient assez souvent, c'est TDD hors notre TDD. Personnellement, je suis pour le TDD. Après, chez nous, on n'impose aucune méthode de travail. Les devs qui se sentent à l'aise avec ça, ils peuvent faire du TDD. Ceux qui se sentent pas à l'aise, ils n'en font pas, ils écriront les tests après. Du moment qu'il y a un test, ça ne pose aucun problème. Après, c'est vrai qu'on a permis à nos devs chez nous de s'entraîner via des ateliers. On fait souvent du code Kafka. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose. C'est une pratique que je vous recommande. Parfois, dans le legacy, c'est tellement compliqué de se dire « j'ai commencé à faire des bonnes pratiques » parce que tout est tellement à tous les endroits que vous n'arrivez pas à essayer de lancer toutes les bonnes pratiques d'un coup. Et ben, c'est pas grave, entraînez-vous sur du code jetable. On se prend 2 heures tous ensemble, on attrape un kata, on le fait, on s'entraîne sur du code, à la fin, on jette, mais c'est d'acquérir les réflexes. Et les réflexes du TD, moi, je considère que c'est des très bons réflexes. Après, c'est à chacun de se faire une idée, mais en tout cas, essayez. Nous, dans nos contextes de unit testing, on va vraiment essayer d'appliquer le principe du given when tested. Donc, vous le connaissez déjà sûrement, mais c'est vrai qu'on essaye de faire avec ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne sais pas trop. Et la deuxième partie des tests, c'est les tests qu'on va appeler vraiment tests end-to-end. Donc ça, ça va être plutôt la brique métier du berceau de test. Ça va être un peu plus coûteux en temps. Et ça permet de vérifier l'ordonnement et les transitions. Parce que le test unitaire, il va vérifier fonction par fonction que votre code exécute bien ce qu'il devrait exécuter. Mais par contre, il ne vérifie pas les interactions entre eux. Donc là, on va vérifier les interactions entre eux sur des tests end-to-end. C'est vraiment les mêmes tests qu'on a pratiqués lors de nos testings des chemins critiques. Et là, on va enrichir à chaque nouvelle feature ces tests-là pour nous permettre encore une fois de créer de la documentation du parcours utilisateur et garder comme ça une documentation vivante, si vous me permettez le thème, et de garder une documentation qui est toujours à jour. Parce qu'écrire des pages de doc, écrire des cahiers des charges longs de 30 pages, ça ne se fait plus. Plus personne ne fait ça. Quand on est en Agile Scrum, on veut que la documentation vive et elle soit toujours à jour. Donc là-dessus, nous, on a fait le petit prix d'avoir une équipe de QA, une équipe de testeurs end-to-end, qui pratiquent même pas le PHP. On a dit, bah, en fait, vous le code, c'est pas votre métier. Vous, c'est vraiment de faire des tests, de comprendre le produit, de comprendre les utilisateurs, de comprendre le métier. Du coup, vous allez nous faire des tests end-to-end et vous allez choisir la techno dans laquelle vous voulez les faire. Et aucun problème avec ça, vous ne faites pas du PHP, c'est normal. Vous n'êtes pas là pour rattraper les conneries des développeurs. Vous n'êtes pas des petits cliqueurs qui vont venir aux développeurs, ah bah là, ton deuxième paramètre de ta fonction, il n'est pas bon. Non, ça, c'est de la perte de temps. Vous êtes là pour imaginer les scénarios des utilisateurs et ce qui va vraiment apporter une sécurité. Donc, pratiquez même pas le PHP, ce n'est pas très grave. Nous, testeurs, ils écrivent des tests unitaires, on est sûr que leur fonction, elle fonctionne. Je vais parler des logs maintenant. Les logs, c'est aussi quelque chose de très, très utile quand on a un legacy. Quand on veut redompter son legacy, très souvent, on a peur de supprimer du code. Vous voyez les 14%, les 16% de duplicate, pardon, qu'on a vu tout à l'heure. Bah, ça, c'est majoritairement de la peur. Quand on doit sortir du code de son legacy, on n'est jamais sûr de savoir s'il est encore utilisé ou non, si ça ne va pas casser quelque chose, si je n'ai pas une fonction magique qui l'appellerait en composant le nom
avec des placeholders ou des choses totalement exotiques et dont on ne sait plus si on peut enlever du code ou non. Ça, pour s'en défaire, on va mettre des logs. Mettre des logs, un simple monologue, un simple écrit quelque part qui va juste nous dire « Hey, coucou, je suis passé dans cette fonction est encore en vie. » Ou alors, on ne passe jamais dans cette fonction, on y passe dans un cas très rare, comme ça, on va pouvoir démêler les dépendances et identifier le code qui est utilisé. Ça, n'hésitez pas à mettre des logs partout, partout dans votre legacy. C'est pas grave si ça prend plus de temps. Au moins, vous allez pouvoir identifier là où vous servez encore du code. Vous serez plus serein quand vous allez enlever du code. Moi, c'est la spécialité du vendredi. On appelle le vendredi destruction. Je trappe du code que je pense qu'il est mort. J'essaye de tout enlever. Je mets des logs un peu partout et je regarde si ça casse ou pas. J'ai réussi à enlever, pour l'instant, je pense, entre 2500 et 3000 lignes de code dans la clé assise. S'il y a des pages toutes entières, on se dit, bah, en fait, ça, plus personne ne fait. Et il ne faut pas avoir peur, voilà, de se faire des petits vendredis démolis. Moi, j'aime tout cramer. Il n'y a pas de souci avec ça. Je vais vous parler en plus de la documentation, qui est un point très important. Normalement, dans son legacy, on a perdu le doc, ou alors on a un vieux cahier des charges qui traîne quelque part, mais ça a tellement évolué qu'on ne connaît plus ses features. Et on va parler un petit peu ADR. Ça, c'est quelque chose qu'on aime pratiquer aussi chez nous à Safety. C'est pour obtenir une documentation toujours à jour, on va utiliser les ADR. Les ADR, c'est une doc pour les concernés. C'est-à-dire que c'est le plus souvent une doc qui va s'adresser à mes. J'ai un problème, j'ai un problème d'implémentation, j'ai un problème de structuration, j'ai un problème d'utilisation d'une librairie, d'un langage ou quoi que ce soit. Je vais le noter. J'ai un problème. C'est ce problème-là. Je vais le détailler, pourquoi on en est arrivé là, le contexte. Et je vais répertorier les décisions qu'on a prises suite à ça. J'ai décidé d'utiliser cette librairie à la place d'une autre parce que ça me facilite la vie et parce que... Enfin, vous voyez le contexte. Vous allez faire ça et c'est une doc qui va être au plus proche de vos utilisateurs, c'est-à-dire vos développeurs. Voilà, c'est une doc voilà, pour les développeurs, c'est une doc pour les concernés. Et à côté de ça, ce qu'on a mis en place aussi chez Safety, c'est un ubiquitous language, donc c'est un langage qui va être parlé universellement par nos développeurs et par notre métier. Comme je le disais en intro de cette présentation, l'immobilier, c'est un milieu assez complexe avec des termes techniques, vraiment des termes qui parlent que aux conseillers immobiliers. Il y a des choses, et ben, on ne peut pas inventer des mots, on ne peut pas même les traduire en anglais parce que notre métier en français, ça n'aurait pas de sens. Du coup, on va se mettre un langage que notre métier et nos élèves vont comprendre comme ça pour se parler, ça reste beaucoup plus facile. Et ça, c'est encore une fois une documentation qui va rester une documentation qui va être vivante parce que les décisions qu'on a prises dans un contexte particulier, six mois plus tard, elles sont toujours d'actualité. Parce que c'était ce contexte-là. Si le contexte évolue, je vais écrire un nouvel ADR et on va suivre comme ça les évolutions petit à petit. Donc ça, ça vous permet aussi de redompter votre legacy et de recomprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et les choix que vous avez faits. Je vais parler très très vite. Des fixtures, il me reste encore un peu, ne vous inquiétez pas, ça va couper, j'ai droit à deux minutes, hein. En fait, vachement. On va parler des fixtures, donc les fixtures, c'est l'étape d'après. Nous, on a tout juste commencé à faire ce pas-là parce qu'on ne voulait pas lancer plusieurs chantiers en même temps, on a dit qu'on laissait un peu tranquille notre BDD parce qu'on est parti vraiment vers une architecture qui s'intéresse beaucoup plus aux données et aux métiers, ça vous verrez ça avec Fred tout à l'heure, mais on a essayé vraiment de se dire, on va essayer de découpler notre BDD pour se rendre un peu plus libre et que nos tests, ils couvrent les principaux cas d'usage sans avoir à se dire, ah ben mince, là en rose ou avec mon jeu de test du staging, je n'ai pas exactement les données qu'il me faut, ou alors il faut que j'ai changé l'utilisateur, ou alors il a changé, enfin... Comprenez le principe, pour reprendre possession vraiment de son legacy, il faut essayer de l'isoler, de le découpler vraiment du reste pour pouvoir reprendre la maîtrise dessus et être plus dépendante des facteurs extérieurs. Comment j'ordonne tout ça? J'ai parlé de beaucoup de choses. Donc nous, on va ordonner ça de cette manière-là, c'est-à-dire que chaque développeur va tirer sa branche pour faire du développement. On sépare bien les refacto des nouvelles features, des bug fixes, évidemment. Comme je le disais avant, une refacto, ça ne doit pas induire de nouveaux comportements, sinon ce n'est pas une. À côté de ça, on va faire passer une CI,
On a du smoke testing pour prévenir les effets de bord et c'est le premier step sur lequel on doit s'arrêter si jamais j'ai quelque chose dans le rouge, c'est vraiment mon no-go. On ne lancera pas toute la suite qui est derrière si mon smoke testing n'est pas nickel. Ensuite, je lancerai mes tests fonctionnels puisqu'ils sont un peu plus coûteux. Les tests unitaires ont été lancés dans la CI, si vous avez regardé. Ensuite, on a une étape de démo. On va pouvoir faire valider sa feature ou son bug fix ou sa refacto avec le product owner. Ça nous permet de faire des retours rapides. Si ça va passer, pareil, on arrête tout, repasser au step de développement. Un staging, alors nous, on ne l'a pas encore mis en place, mais c'est vrai que c'est un besoin qui commence à émerger pas mal. Une pré-prod et une prod, ça je pense que vous connaissez, c'est assez classique. Mais c'est comme ça qu'on ordonne tout ça et qu'on arrive à se redonner confiance. C'est vrai que la plupart du temps, avec Legacy, quand on doit lancer une mise en prod, tout le monde s'affole. Ah, il y a une mise en prod, qu'est-ce qui va passer? Vous êtes sûr, il faut tenir tous les services, des fois qu'il y aurait quelque chose qui ne passe pas. Non, là, on va se rassurer en disant, j'ai fait suffisamment de tests en amont pour que limite, une fois que c'est arrivé en pré-prod, ça pourrait partir en prod. Moi, quand je développe, on n'a pas de contrôle sur elle, ça pourrait partir en prod, je suis totalement sereine. Je vais passer au step d'après du pourquoi de la migration. Je vous prie, j'accélère. Quand on choisit de faire une migration, il faut être prêt à assurer toutes les fonctionnalités existantes, et notamment les fonctionnalités critiques. On doit garantir la qualité du code, sinon on se retrouve avec un nouveau legacy. Alors oui, c'est bien joli de se dire je vais faire du Symfony parce que c'est trop cool. Mais si c'est pour écrire un nouveau legacy parce que vous allez oublier les tests et qu'il n'y a que vous qui pourrez le comprendre, eh ben vous ne rendez pas service à votre entreprise. Et bien sûr, le budget, une migration, ça coûte cher. C'est quelque chose à prendre en compte, ça, je préfère vous le dire. Et être honnête avec vous. Nous, on a choisi une migration progressive parce que comme on a une énorme croissance, une énorme évolution et des besoins constants de nouvelles features, d'être toujours au-dessus de nos concurrents, etc. Parce que vous connaissez ça aussi dans votre entreprise, hein, le but de toute entreprise. Du coup, on a des évolutions constantes. Donc, on ne peut pas se permettre de dire stop, on arrête tout, on fiche pendant 2 ans, on fait une petite symphonie, on vous ressort tout, tout beau, tout propre, mais avec 0 nouvelles features. Ça, on ne va pas l'entendre. Donc, on a choisi une migration progressive. Donc, dans cette migration progressive, je vais parler juste après, je vais vous la mettre maintenant pour accélérer un petit peu, du strangler pattern. Donc, on a choisi le strangler pattern, c'est-à-dire qu'on a enfermé notre legacy. V1, V2, ça correspond à la partie PHP 4 et la partie PHP 5 de notre code, comme je vous en ai parlé. On a mis un strangler pattern, donc c'est Symfony qui reçoit toutes les entrées. Il lance dans le legacy ce qui doit être lancé, toute la machine, etc., en mode boîte noire comme on en a parlé. Et c'est lui qui va restituer ensuite la réponse. Et ça, ça nous permet de faire une migration, voilà, URL par URL. Et pour cette migration URL par URL, on se la possibilité de contaminer du vieux code pour une progression de plus en plus rapide. Si mon vieux code, il contient du Symfony, tout le monde va se mettre à l'utiliser. On a évidemment des tests de qualité de nos régressions. Donc, ça, c'est des tests unitaires et une meilleure organisation du code puisqu'on a choisi une architecture hexagonale, du coup, qui est l'architecture qui correspond à la taille maintenant de notre application. Et pour finir, je vous parle très rapidement de l'organisation des équipes pour une migration. Nous, chez Safety, on a choisi d'organiser nos équipes. Enfin, Yann nous en a parlé, on a à peu près 4 équipes de 6 à 7 développeurs maintenant. Et on veut que tous nos développeurs passent en migration. Migrer des pages, parfois, ça devient ennuyeux parce que c'est un peu toujours la même chose, même s'il y a une grosse partie d'archéologie, je vous l'accorde. Et par contre, on s'est dit, à chaque fois, on va envoyer un ou deux devs en migration de ces équipes et on va les faire tourner. Comme ça, tout le monde fait du Symfony, tout le monde participe à la migration, tout le monde fait avancer ses domaines et tout le monde vient nous faire profiter de son expertise. Mais ça, si vous décidez de faire une migration, sinon, avec son legacy, c'est aussi tout à fait acceptable. Et c'est la conclusion de cette présentation. J'espère qu'avec tout ça, vous allez avoir quelques pistes et quelques clés pour commencer à redompter votre legacy et à mieux vivre avec. Et je vous remercie évidemment pour votre attention. Et peut-être à 1 ou 2 minutes pour les questions, je ne sais pas. Merci Estelle. Alors pour les questions, le temps avec Frick, je propose que ça soit pareil dans le temps. D'accord, très bien. On va laisser ouverte le temps que tu répondes. Et on va accueillir très rapidement Frick pour la prochaine session. Merci à vous, je vous rejoins tout de suite pour les questions.